Bonjour et bienvenue à tout le monde à cet entretien exclusif que nous réalisons avec M. Georges qui est de l'IDPS. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour les Congolais, bonjour les téléspectateurs et bonjour tout le monde et bonjour nos vaillants combattants sur la ligne de front. Nous voici encore sur le plateau et bonne oreille. Nous vous souhaitons. Sécurité, politique et diplomatie au cœur de cet entretien que nous réalisons avec vous. Commençons par cette actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi à Luanda, en Angola, pour participer à un sommet sous bien sûr les auspices du président angolais, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce voyage avait en tout cas été annoncé dans un communiqué de la présidence angolaise, publié depuis le 1er juin dernier, à l'issue d'une rencontre à Luanda entre Tshisekedi et Lorenzo. Donc, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne depuis dimanche 3 juillet à Luanda, à la tête d'une délégation des experts dans le cadre de la préparation du 10 sommet. Il faut préciser qu'en tout cas, la crise entre la RDC et le Rwanda sera en tout cas au centre de ce mini-sommet qui va réunir en tout cas ces trois chefs d'État entre retrait, Kagame du Rwanda, Tshisekedi de la RDC et Lorenzo en tout cas de l'Angola. Messieurs, Georges, vous, l'IDPS à Goma, comment vous avez accueilli cette nouvelle, un tête-à-tête prévu entre Tshisekedi et Kagame? Bon, en fait, comme le président l'a toujours dit, lui a dit que le front pour la guerre que nous connaissons aujourd'hui n'est pas seulement le front militaire. Il a également aussi évoqué le front diplomatique. Et aujourd'hui, maintenant, il prend l'option du front diplomatique. Et s'il y a rencontre entre Félix et Kagame aujourd'hui, c'est sur demande et se sente surtout de Kagame. Et d'ailleurs, il l'a exprimé hier, quand il a célébré son indépendance chez lui, il a dit que lui voudrait normalement qu'il y ait la paix et la meilleure paix entre les deux États. Mais aussi, là, il évoquait un autre élément que si la paix n'est pas là, il doit aussi attendre au pire. C'est-à-dire le pire aussi peut être réservé. Mais Félix, lui, il a géré. Avant que toutes ces démarches ne débutent, il a très bien dit ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. C'est-à-dire, si c'est pour l'intérêt de la paix, Félix est prêt pour la paix. Mais c'est sûr, si c'est pour l'intérêt de la guerre, Félix est prêt. Et d'ailleurs, il a déjà prouvé. Imaginez notre armée qui capture plus de 10 officiers rwandais sur la ligne de front. Ça prouve combien de fois que Félix ne tergiverse pas avec ses mots. Il est prêt à tout. Et tu dis que nous tendons vers d'autres négociations, d'autres accords qui pourront en tout cas être signés entre Tshisekedi, donc entre la RDC et le Rwanda. En fait, dire accord, c'est trop dur. Mais cependant, vous savez très bien que quand il y a toujours la guerre, il y a ce qu'on appelle aussi des compromis, des cessations, des hostilités. On peut se compromettre. Si quelqu'un se trouve qu'il n'est plus fort à faire la guerre à Tshisekedi, il va accepter ce que Tshisekedi va lui imposer et la paix sera là. Mais dire que c'est lui qui va nous imposer, il n'est pas le bienvenu parce que toutes ces démarches qu'il a entreprises, ils n'ont pas abouti. Il est fini par la guerre du M23. Les M23, ces soldats qu'il nomme M23, ces militaires qu'il baptise M23, ils sont en train d'être anéantis sur terrain et d'autres capturés. Arrivé à Kinshasa, Andolo, plusieurs éléments rwandais sont déjà en prison. Pour vous dire que on n'est pas sur cette façon-là de faire comme Kagame, comme Kabila le faisait avec Kagame, son père.
il est peut-être son père politique, mais Félix a affiché, a dessiné une autre carte. Kagame n'a pas de portion de terre sur la RDC. Et Kagame n'a pas un seul gisement de coltan sur la RDC. S'il veut bénéficier de nos fruits, il n'a qu'à passer par la grande porte. Et c'est pourquoi peut-être les pourparlers de passer par Luanda. Kagame, si vous voulez réellement partager avec nous dans la droiture, passez par la grande porte. Nous sommes prêts à vous offrir. Mais cependant, venir par cette manigasse dont vous avez élu tradition, vous avec Kabila, ça ne passera plus. Mais vous, en tant que peuple congolais, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue et de ces mini-sommets? En fait, d'abord, nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous attendons de ce dialogue? D'ailleurs, Félix l'a toujours dit, nous n'attendons que la paix, rien que la paix. Amani, mon frère, est-ce que nous sommes partis chez Kagame et lui imposer la guerre? Quand il a trouvé qu'il est déjà mal à l'aise, c'est lui qui nous a créé la guerre. Et nous avons dit, ou bien la guerre totale, ou bien la paix totale. Et comme nous, le peuple congolais, imaginez, si vous arrivez à Rutshuru aujourd'hui, vous allez regretter comment les déplacés vivent misérablement. Est-ce que c'est cette option-là que nous avons choisie? Non. C'est parce qu'il y a quelque part où on nous impose cette situation. Cette situation, maintenant, nous ripostons. Et avec la riposte, nous imposons aussi peut-être des insécurités aussi au Rwanda. Parce que Kagame l'a dit qu'il était parmi les pays les plus pacifiques en Afrique. Mais aujourd'hui, il n'est parmi les derniers pays maintenant qui ne connaissent plus la paix en Afrique. D'accord. Il y a plusieurs mouvements citoyens qui s'opposent en tout cas à ces pourparlers. C'est pour parler, voilà, entre Kigali et Kinshasa. C'est comme par exemple la Lucha qui s'oppose à tout type de dialogue entre la RDC et le Rwanda et demande d'ailleurs au président Tshisekedi de ne pas engager la République dans des accords supplémentaires qui mettraient davantage en péril la souveraineté du pays. Comment vous analysez ces propos de la Lucha? En fait, la Lucha, toutes les fois que Félix entreprend des démarches politiques, la Lucha s'est toujours opposée. Et nous, il ne s'oppose pas, il propose et il met déjà, il lance. En fait, je vais vous énumérer certains cas. Dernièrement, quand nous avons signé l'accord sur la voie d'une force conjointe de l'EAC, ils se sont encore opposés. Chaque fois que Félix prenait voyage pour aller nourrir la diplomatie en Europe, la Lucha s'est opposée. Pour vous dire que la Lucha n'est qu'un groupe d'individus négativistes, peut-être derrière certains opposants qui sont jaloux du pouvoir Félix. Est-ce que n'avez-vous jamais vu que dans tout le monde, dans tous les pays du monde, à l'issue toujours, à l'issue d'une guerre, il y a toujours la table. Même après la Deuxième guerre mondiale où l'Allemagne est sortie la plus vaincue. Et puis après, on s'est mis sur la table et on a ravi à l'Allemagne toutes ses colonies. Pour vous dire que même s'il y aurait un vaincu, il y aurait toujours à terminer par la table. C'est ce que Félix fait maintenant aujourd'hui. Il venait d'imposer à Kagame la force. Kagame actuellement, il sollicite maintenant quoi? La table. Parce qu'il a trouvé que la démarche qu'il a entreprise n'a pas amené quelque part selon qu'il le voulait. Et aujourd'hui, maintenant, il trouve que non. Comme j'avais d'abord nié certains éléments, je disais que c'est le M23, l'élément congolais. Parce que lui disait que le M23, c'est une histoire congolo-congolaise. Mais aujourd'hui, maintenant, il accepte que le M23, ce n'est plus M23, c'est maintenant Kagame lui-même. D'accord. Qui part négocier au nom du M23. D'accord. Revenons sur la question du M23 dans les Rutshuru. Dans une déclaration faite hier lundi, les représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques de sécurité a recommandé au M23 et à tous les groupes armés qui écument la partie est de la RDC de déposer les armes et d'évacuer les contrées
qu'ils occupent. Il encourage par ailleurs l'armée congolaise et la MONUSCO à poursuivre la traque des forces négatives. Comment vous suivez cette sortie en d'autres termes de l'Union européenne? En fait, l'Union européenne, oui, sont nos partenaires traditionnels, sont nos amis politiques, et sont, je dirais, peut-être nos parents sur le plan, je dirais, organisationnel de notre nation. Mais cependant, nous fustigeons certaines choses. Parce qu'en quoi l'Union européenne, on voit directement la communauté internationale. L'Union européenne, oui, la communauté internationale commence par déjà 5 pays. L'Union européenne, oui. Les États-Unis, oui. Les Nations unies, oui. Bon. Mais l'Union européenne, aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'on peut toujours prêter confiance à l'Union européenne? Nous avons vu quand on a voté la résolution pour l'embargo, la levée de l'embargo, cette même Union européenne ne nous a pas été favorable. Ça, c'est toujours, je dirais peut-être, des récitations d'intention. Il ne faut que seulement parloter par intention, mais en réalité, à l'interne, ils sont pour autre chose. Et c'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, avec cette abstraction des 5 pays lors de la résolution, ça leur fait peur. 4-5 nations votent l'abstraction et ont voté pour contre la levée. C'est-à-dire que ça divise déjà la classe, ça divise déjà le Conseil de sécurité. Et il faut voir quel pays s'est abstenu. La Russie, la Chine, le Kenya, le Ghana, vous voyez, ce sont des nations normalement qui sont stables politiquement et militairement. Mais des petits pays qui nous ont foulés aux pieds. La France aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de la France. La France aujourd'hui, à l'Union européenne, ne constitue pas une force. La France aujourd'hui, elle est en train de perdre toutes ses colonies en Afrique. Pour vous dire que la France n'a plus de leçons à prendre aux Africains. Et cette sortie médiatique de l'Union européenne, nous le voulons bien. Quand il parle des retraits des groupes armés, qu'on les voie à l'acte, qu'on voie maintenant le M23 se retirer. Parce qu'il va obéir à l'Union européenne. Nous serons aussi que nous allons applaudir. Mais est-ce que c'est vrai qu'il va aussi se retirer? Je ne crois pas. C'est-à-dire que ce ne sont que des parlotages, des verbiages, mais à l'intérieur, ils savent ce qu'ils font. Ils sont trop hypocrites. L'Union européenne, nous l'avons vu. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Cette Union européenne était déjà chassée par Kabila. C'est avec la démarche de Félix qu'ils ont encore intégré, ils sont encore revenus au pays. Maintenant, cet amour-là de renouer les relations diplomatiques, mais pour eux, ils sont ailleurs. C'est-à-dire, ils ont autre chose. En quelque sorte, il y a de l'hypocrisie. Une grande hypocrisie. Pas une sorte, une grande hypocrisie. Si réellement, ils ont voulu que la paix revienne, qu'ils disent à Kagame, ça passait par Félix, Kagame retirait ces hommes-là, laissez la paix. Ce ne sont pas des hommes de Kagame, quand même, ce sont des rebelles. Ce sont des hommes de Kagame. Oui, Kagame part négocier. Mais ce mouvement est constitué, c'est pas seulement. S'il vous plaît, ce mouvement est constitué par les Congolais, il faut le dire comme ça. Quels Congolais? Je leur ai encore déjà dit un jour, les Congolais que j'appelle des Congorés, ça blesse. Mais tous ces généraux-là qui sont, je ne sais pas, des généraux autoproclamés, ils se disent être congolais comme les Makenga et les restes. Voilà, se dire être congolais, c'est une chose, mais être aussi maintenant congolais, c'est une autre. Mais ils sont congolais. Vous vous dites congolais, comme tout le monde peut le dire. Même quand vous arrivez à Kigali, toute la population de Kigali se dit congolais. Oh. Et on s'étonne. Mais mon frère, nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes des voisins. Mmh. Essayez d'arriver à Kisenyi ici à côté. Tout le monde va vous dire que ah, moi je suis aussi congolais. Ils sont pas, donc ils ne sont pas fiers de leur nationalité. Effectivement. Oh, comment cela? Ils ne sont pas fiers d'être rwandais. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours proposé qu'ils acceptent, qu'ils votent eux-mêmes un référendum qu'ils voudraient s'annexer à la RDC. Oh. Nous allons les livrer l'espace pour devenir un territoire de la RDC ou une province. Mais ils sont fiers, les Rwandais sont fiers de leur jamais président, on les voit. Si réellement ils étaient fiers d'être Rwandais,
il Makenga, voire même Kagame, n'allait plus fabriquer Makenga comme un Congolais. Pourquoi aujourd'hui Kagame part négocier en nom du M23? Est-ce que c'est au nom du M23? Effectivement. Vous parlez de diplomatie dans la région, monsieur Jean. Non. Est-ce que Kaguta est parti là? Non. Ou soit. Vous savez qu'il y a eu suspension, donc il y a les Rwandais qui sont sous sanction économique de la RDC, du coup ils peuvent parler de cela et voir comment renouer encore la relation, c'est pas parler au nom du M23. Ce n'est pas aujourd'hui, messieurs les journalistes, Justin, ce n'est pas aujourd'hui que Kagame cherche toujours à vouloir solliciter, nous faire entrer ces Rwandais pour devenir des Congolais. Je vais vous rappeler une chose. Un jour, il parlera, et un jour, il parla dans le passé, il parla de 45 000 familles qui restent au Rwanda, qui devraient être rapatriées en RDC. Et quand vous arrivez au Rwanda, ces 45 000 familles ne sont nulle part. C'est-à-dire, ce sont des Rwandais bien installés dans le pays, mais qu'on voudrait ramener ici. Pour vous dire que tous ces Rwandais voudraient être des Congolais. Alors, ça, ce sont des échappatoires. Si aujourd'hui, Félix a qualifié le M23 de groupe terroriste, Kagame a trouvé que je n'ai plus autre argument à pousser. Laisse que moi-même j'aille à Luanda négocier. Est-ce que ce n'est pas le président congolais qui aurait demandé, sollicité peut-être son homologue rwandais pour qu'il se mette sur la même table? Non. D'ailleurs, c'est le pays qui a agressé. Félix, il l'avait déjà dit, ou bien la guerre totale, ou bien la paix. Mais pourquoi il ne fait pas lancer cette guerre? Il préfère les négociations. Allez à Routour, vous allez sentir la guerre. Avez-vous déjà été d'abord un jour sur la ligne de front? Allez sentir la guerre en ligne de front. Je vous rappelle qu'il y a le Bunagana qui est toujours sous contrôle des M23, messieurs. Effectivement, c'est pourquoi et plusieurs d'autres localités. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer toutes ces terres et aller même au-delà. Les FARDC font que des replis stratégiques, c'est loin. Au contraire, les FARDC ne font que faire des avances et surtout imposer. Imaginez, il n'y a même pas 3 jours, on a capturé plus de 4 officiers. Il y a 2 jours avant ça, on a même anéanti Makenga et compagnons. Mais quand Makenga est en vie, le M23 démentit cela, monsieur Georges. Comment? On dirait que vous êtes avocat de Makenga. Non, Makenga, s'il vous plaît. Makenga est en vie, on a vu des images qui ont été relayées Makenga n'existe plus. Il est où? Dans l'au-delà. C'est-à-dire, il est donc mort. Vous, l'IDPS, ici à Goma, vous confirmez que... Ce n'est plus moi qui confirme. Parce qu'on a suivi là. Nous avons vu même des images, même des journalistes rwandais qui relaient que Makenga... Mais monsieur Georges, s'il vous plaît, ça c'est un débat qui est scientifique. On a besoin d'apporter en tout cas des précisions et la vraie information aux gens qui nous suivent. S'il vous plaît, nous avons suivi la communication la fois dernière de l'armée. Une communication qui a été certainement saluée par plusieurs Congolais à travers le colonel Guillaume Djike Kaiko, qui est le porte-parole des opérations Sokolade. Il a précisé que l'armée congolaise a neutralisé 27 rebelles M23 et leurs alliés, dont il a déploré également des militaires congolais blessés, mais nulle part où il a cité que le commandant, le général Makenga, a été aussi neutralisé parmi les 27. Où est-ce que vous avez tiré cette information? En fait, tout d'abord, Guillaume n'est pas porte-parole de M23. Il est sur le terrain, il est des FARDC. Il est porte-parole. Il a communiqué sur le nombre de M23 tués. Mais les vraies sources nous indiquent que, après que Mboneza ait succombé par une foudroyante, Makenga s'en est sorti avec de graves blessures. De là qu'il est parti se faire soigner, c'est là qu'il a trouvé la mort. Et si vous relayez, côtoyez bien les médias rwandais, ils vous diront, ils vont vous certifier que Makenga n'existe plus. Et vous ne le verrez plus jamais. Oh, mais il y a les M23 qui communiquent et qui parlent que Makenga est là. Vous savez, la rébellion a sa façon de communiquer, mais soyons
attendons l'avenir. Si Makenga pourra se réveiller, je donne ma main à couper. D'accord, je reviendrai avec l'extrait, en tout cas, de cette interview. Oui. Mais il faut préciser que jusque-là, il n'y a aucune communication de l'armée congolaise pour confirmer si réellement Makenga n'est plus. Il y a côté M23 qui continue à démentir cette information. Même chose côté Mboneza, il y a donc M23 en tout cas qui a démenti. Alors pour finir, dans moins d'une minute, Monsieur Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez de Rutshuru? Bon, en fait, Rutshuru, déjà, c'est la ligne de front, c'est la zone sur laquelle se passent les affrontements. Ouais. Rutshuru ne connaît que des affrontements. Hier, pas plus qu'hier, il y a encore des affrontements. Les affrontements qui ont été les plus chaudes. Nous apprendrons encore un peu plus loin que par la bouche des porte-parole de la société civile Nord Kivu, M. Mwiti, qui nous apprendra que Kagame encore a renforcé par 50 camions qui verraient sur le terrain de Bunagana. Est-ce que c'est vérifiable? C'est vérifié, cette information? Nous nous sommes dit, est-ce que c'est bien vérifié? Ça laisse aussi à vérifier d'abord. Mais même s'il venait à 1 million de personnes, il constituerait l'engrais pour le sol congolais. Vous êtes en train de voir comment nos FADC sont en train de leur imposer la mort. Ils capturaient des hauts gradés, des officiers de haut rang. Et c'est quand même à chanter, c'est à applaudir pour nos FADC et ses amis-là. Si Kagame a trouvé qu'il fallait qu'il aille négocier, c'est parce qu'il a trouvé qu'il n'a plus de force et il va bientôt peut-être se vider de ses officiers parce que tous les officiers sont en train d'être anéantis sur le sol congolais. D'accord, pour finir, un message au FADC. FRDC, Mapinga, Yamboka, FRDC, nous sommes toujours derrière vous et nous aimons toujours votre façon de travailler, surtout cette relation étroite entre vous et nous, population, plus particulièrement la population de Rutshuru, qui ne voit que vous battre sans cesse, sans se lâcher et encore les rassurer que rien que la paix que vous êtes venu imposer au M23, à Kagame. Très grand, vraiment un grand merci, un grand soutien de notre côté. Nous sommes toujours de cœur avec vous. Mais ces amis-là qui se sont déjà livrés à ce que nous appelons complicité, ils sont les plus maudits. Et ils n'arriveront nulle part. Seulement vous, vous allez prendre les décisions sur eux. Merci. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons réalisé, en tout cas en direct de la permanence des lits de paix à Goma. Et comme vous pouvez le constater à travers les images, il y a eu en tout cas plusieurs combattants qui ont participé et à cet entretien. En tout cas, ils sont là, comme vous pouvez le constater avec nous. Les combattants de l'IDPS. Alors, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.